Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de Blasphemous 2, épisode 15. Donc là, nous sommes à 70% du jeu et nous sommes donc à l'affrontement d'un boss potentiellement rush, hein, bien sûr. C'est le boss... C'est pas ici, c'est plus loin. C'est le boss, tu sais, un vieillard, là. En fait, c'est le premier pénitent. Alors attends, par contre, on avait vu quoi? On avait vu qu'il y avait quel pouvoir? Ah, c'est vrai que j'en ai 15. Augmente la durée du pacte de sang. Améliore les dégâts mystiques renforcés en ajoutant le pacte du sang. Je sais pas, moi j'utilise. Augmente les dégâts de base. Diminue la moitié des coups du corsaire fauché. Ouais. Je l'améliore à fond parce que de toute façon, moi, c'est ce que je voulais absolument. Ah, mais en fait, tu m'étonnes pourquoi elle fait zéro dégâts en fait. Elle est même pas améliorée. Tu m'étonnes. Bon, là, on va retenter ça. Normalement, ça devrait aller, je pense. On a amélioré à fond le truc. Enfin, la Alba. J'ai juste hâte que je puisse terminer ce boss. Ah là là là. En fait, ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile ce boss, hein. Surtout qu'en plus, il y a une deuxième phase, on l'a vu la dernière fois, donc...
Courage. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Mais attends, mais comment tu veux l'affronter en fait? La phase 2, elle est trop dure. Bah par exemple déjà... En vrai... Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts physiques. Attends. C'était quoi ça? Donc ça, je garde. Truc d'électricité. J'en ai... Attends, putain. Ça... C'était quoi déjà? C'était ça. Ça, j'en ai pas besoin. Réduit considérablement la quantité de culpabilité. En vrai, ça... Ça, j'ai pris. Bon, je vais mettre ça comme ça, mais... Ça, j'en ai pas vraiment besoin. C'est plus... La résistance physique en fait que j'ai besoin absolument. Bon, on va tester. For I am the first penitent, and you shall be the last. T'es tellement fourbe parce que quand il se met sur la gauche ou la droite, tu peux pas savoir si. Attends. Là, c'est vrai que quand je lui ai mis mon pouvoir là de. Il a vraiment eu mal, hein. Ça fait l'un hein, qui inflige des dégâts de foudre. Ça, c'est continuellement donc ça sert à rien en fait. Attends, c'est quoi ça? Ramène le pénitent, ok. Invoque une cloche fantomatique dont on inflige des dégâts mystiques. On va tenter, hein. Parce qu'en fait, je peux pas mettre le feu, il touche pas le sol. For I am the first penitent, and you shall be the last. Thank you.
Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Voilà mon pote. C'est trop chiant parce que quand tu meurs, bah t'es obligé de faire la première phase. Ce qui fait que bah, tu peux pas savoir en fait son pattern de la seconde phase. Il y a un trop grand retard en fait. C'est chiant. Faudrait que je le perfecte là. Faudrait que je m'entraîne sur la première phase et ensuite y arriver sur la deuxième. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Mais c'est une dinguerie comment il fait trop mal. En fait, ça, c'est quoi comme pouvoir? C'est les dégâts physiques? Attends. Ça, c'est tous les dégâts élémentaires. Ensuite, ça. Dégâts de foudre. Ah, c'est possiblement dégâts mystiques. Il y a peut-être moyen que ça soit dégâts mystiques. On va voir. First penitent, and you shall be the last.
Je l'ai mal pris. En fait, maintenant, la première phase, elle est trop simple. Vraiment. La première phase, elle est vraiment, vraiment trop simple. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre le truc, en fait. En fait, la première phase, elle est très simple. C'est la deuxième phase qui est la plus chiante. Parce que je l'ai pas encore travaillé dessus. And you shall be the last. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. En fait, ça va trop vite. En fait, je meurs trop vite. Du coup, je peux pas savoir en fait si c'est bien ça. Attends, c'était quoi déjà? C'était ça? Ça, c'est pour les dégâts élémentaires. En fait, à mon avis, il y a des pouvoirs que j'ai pas. Du coup. Dur ce boss, vraiment. For I am the first penitent, and you shall be the last. Thank you.
Tu vois ça? Ça, c'est de la perfection. La première phase. Et la deuxième, autre chose. J'ai peut-être compris un truc. Mais il y a très peu de passages de touches. Pour info, j'ai fait une ellipse. Et en gros, j'ai boosté un peu mes fioles. J'ai cherché un peu pour. Parce que sinon, c'est trop chiant en fait. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Facile. Même après les lisps, c'est chaud. Ok. L'affrontement de l'enfer. For I am the first penitent, and you shall be the last. Allez, c'est parti. Concentration ultime.
Putain, avec ces coups d'électricité de mort là. Non mais t'as vu la RNG que j'ai, hein ? Que des coups d'électricité là. Ok. Là c'est la chose la plus difficile pour moi. Premier boss qui me saoule un peu plus donc... Ok. Première phase elle est faite parfaitement. J'arrive à la perfecte. Mais la deuxième... Bon, allez. Putain. Deux. Hop. Putain, il me touche tout le temps, lui. Ok. Oh là, c'est quoi ça? Oh là! Oh là! Wesh! Ok. Ah oui, il va rush lui, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais non. Putain. J'ai plus de vie là. Deux, trois. Ok, allez. Oh non. Oh, je sais plus rien. Un, deux, et trois. Deux, trois. Un, deux et trois. Ok.
Waouh, putain. Oula. Ok. Requiem Aeternam. Ok, c'est bon, il l'a niqué. Et je suis content en vrai parce que. Et il m'en a fait baver, hein. Oh là là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Souvenir de Chrysanta. Ouais, oh. The child is born. The clouds open up before thee and shed crimson tears. Thus begins the work of the high dramatist. Mais on verra ça plus tard, je pense, à mon avis. Là, ce que je veux, moi, c'est juste aller sauvegarder dans un feu et m'arrêter là, tranquillement, posé. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour une prochaine vidéo. Donc, possiblement le dernier. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Like et abonnement. Bye à tous.